Donc dans la vidéo précédente, on s'est intéressé à l'utilisation des matrices et de leur inverse pour résoudre en fait un système de deux équations à deux inconnues, donc un système d'équations linéaires. Ce qui revient en fait à trouver les coordonnées d'un point d'intersection entre deux droites dans un plan. Alors ici, on va utiliser toujours les matrices, mais cette fois pour résoudre une équation vectorielle, c'est-à-dire une équation qui fait intervenir des vecteurs. Et donc l'idée derrière tout ça, c'est de montrer que les matrices peuvent servir à résoudre un tas de problèmes qui, en apparence, sont différents, mais pour lesquels, en fait, on peut faire beaucoup d'analogies. Et donc tout le travail de résolution qu'on fait avec des matrices sur un type de problème, eh bien après, on peut certainement le réappliquer à un grand nombre d'autres problèmes analogues. Donc dans cette vidéo, on va appliquer les matrices au problème suivant. Alors, j'ai dessiné un repère XY dans lequel j'ai représenté trois vecteurs. Petit a, petit b et petit c. Petit a, donc, c'est un vecteur colonne avec deux éléments, de coordonnées donc 3, moins 6, 3 sur l'axe des x, moins 6 sur l'axe des y. B, toujours un vecteur colonne de dimension 2, avec 2 en x et 6 en, 6, pardon, en y, 1, 2 et 6, donc on arrive bien ici. Et enfin, le dernier vecteur, le vecteur c, de coordonnées 7, 6, donc 7 sur l'axe des x et 6 sur l'axe des y. Et donc la question qu'on va se poser tous les deux dans cette vidéo, c'est existe-t-il un couple x et y, un couple de nombres réels, tel que on puisse écrire a fois x plus b fois y est égal au vecteur c. C'est-à-dire, est-ce qu'il existe deux scalaires x et y, tels que lorsqu'on les multiplie par a et b, on puisse obtenir exactement le vecteur c. Donc si je réécris ça sous forme vectorielle, ça nous fait 3 moins 6, c'est le vecteur a, fois x, plus le vecteur b, c'est 2, 6, que je multiplie par y, et je cherche bien sûr à obtenir le vecteur c, donc de coordonnées 7 et 6. Donc là, si tu regardes bien cette équation, tu te rends compte qu'on peut la réécrire en utilisant une matrice de taille de 2, qui va être la suivante, 3, 2, moins 6, 6, donc dans laquelle j'ai rassemblé les deux vecteurs colonnes A et B, fois un vecteur x, y, qui sont nos deux inconnus, et donc ce produit matriciel est égal au vecteur colonne 7, 6. Donc cette combinaison linéaire de vecteurs avec deux inconnus x et y, donc cette équation vectorielle, eh bien on peut la réécrire comme ce produit matriciel ici. Si tu veux, je te laisse vérifier, tu peux multiplier ce vecteur colonne par cette matrice de 2 et tu verras que cette équation matricielle est bien équivalente à l'équation vectorielle. Et si tu as regardé la vidéo précédente, en fait, tu verras qu'on a exactement la même description matricielle du problème, puisque si on effectue ce produit matriciel, eh bien on peut retrouver les deux équations linéaires qu'on avait dans le problème précédent, c'est-à-dire 3x plus 2y est égal à 7, hein, c'est si je multiplie la première ligne avec xy, ça doit être égal au premier élément de ce vecteur colonne, et la deuxième ligne multipliée avec le vecteur xy doit être égal à 6, ce qui nous donne moins 6x plus 6y qui est égal à 6. Donc en fait, dans le problème précédent, on cherchait à trouver les coordonnées du point d'intersection de deux droites, qui était représenté, en fait, ce problème était représenté par ce système de deux équations à deux inconnues, ce système d'équations linéaires. Et ici, on est dans un problème complètement différent, puisqu'on cherche à trouver une combinaison linéaire du vecteur A et du vecteur B qui nous donne le vecteur C, donc la description du problème est complètement différente, et pourtant, eh bien, on arrive sur la même équation matricielle, la même matrice multipliée par notre vecteur xy qui donne le même vecteur colonne. Et donc c'est là toute la puissance de l'approche matricielle, bah, c'est qu'on peut appliquer la même méthodologie à plusieurs problèmes qui en apparence semblent différents. Et donc comment on résout ce problème? Eh bien, on va procéder exactement de la même façon que dans la vidéo précédente. On va utiliser l'inverse de cette matrice. Donc si j'appelle cette matrice grand A, eh bien, je vais multiplier de chaque côté. Donc je vais faire a-1 fois a. Donc ici fois notre vecteur qu'on peut appeler, je ne sais pas, x avec une flèche. Et donc ça va être égal à a-1. Donc je rappelle, on multiplie bien
dans le même ordre de chaque côté de l'équation, et donc fois le vecteur c. Sachant que a moins 1 fois a, ça fait l'identité, eh bien on se retrouve avec x, notre vecteur qui en fait contient les coordonnées x et y, qui est égal à la matrice a moins 1 fois le vecteur c. Donc c'est exactement le calcul qu'on a fait dans la vidéo précédente, donc je vais aller très rapidement dessus. A moins 1, l'inverse de A, c'est 1 sur le déterminant de la matrice A. La matrice A, c'est celle-ci. Donc le déterminant, c'est le produit de la première diagonale, donc 3 fois 6, 18, moins le produit de la deuxième, donc ici moins, moins 12, donc ça fait plus 12. Donc ça, c'est 1 sur le déterminant de A. Et ensuite, fois la matrice, donc cette matrice, pour trouver ses éléments, eh bien on change de place les deux éléments de la première diagonale, donc 6 et 3, et on prend l'opposé des éléments de la seconde diagonale, donc ici ça devient 6, et ici ça devient moins 2. Donc ça c'est notre matrice A moins 1. Donc notre vecteur xy, comme on l'a écrit ici, c'est l'inverse de la matrice A fois le vecteur c, donc xy est égal alors 1 sur 30, donc ça c'est l'inverse de la matrice A, 6 moins 2, 6, 3, que je multiplie par le vecteur C. Donc le vecteur C, c'est 7 et 6. Donc ça, ça nous donne 1 trentième de... Alors ici, j'effectue la multiplication entre la matrice et le vecteur. 6 fois 7, 42 moins 12, ça fait 30. Et pour le deuxième élément du vecteur colonne, 6 fois 7, 42, plus 3 fois 6, 18, ça nous fait 60. Si je distribue le 1 trentième sur chaque élément, ça nous donne tout simplement le vecteur 1 et 2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que le vecteur xy vaut 1, 2? Eh bien, ça veut dire que si on ajoute une fois le vecteur A et deux fois le vecteur B, normalement, on retrouve le vecteur C. Alors, on va vérifier graphiquement que nos calculs sont justes. Donc, le vecteur solution et le vecteur de coordonnées 1, 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends une fois le vecteur A auquel je lui ajoute deux fois le vecteur B, eh bien, j'obtiens le vecteur C. Donc, c'est quelque chose qu'on peut vérifier rapidement graphiquement, hein, bien sûr. Donc une fois le vecteur A, auquel j'ajoute une fois le vecteur B, enfin une deuxième fois le vecteur B, qu'on voit bien que le vecteur A plus deux fois le vecteur B, c'est-à-dire ça plus ça, eh bien ça nous donne bien le vecteur C. Donc au-delà du résultat en lui-même, ce qui est important de comprendre avec cette vidéo, eh bien c'est qu'on a la même description matricielle pour deux problèmes différents. Dans la vidéo précédente, on cherchait un point d'intersection entre deux droites, qui était représenté par ce système d'équations en gris ici. Et dans cette vidéo, eh bien, on cherche une combinaison linéaire de vecteurs pour en obtenir un troisième. Et il se trouve que ces deux problèmes sont décrits par exactement la même équation matricielle. Donc c'est vraiment ça qui est puissant et qu'il faut retenir, c'est que au-delà de la description du problème en lui-même, sa mise en équation matricielle peut en fait s'appliquer à plusieurs problèmes équivalents.